Cher Mort Saintois, chère Mort Saintoise, bonjour. Je tenais à l'aube de cette nouvelle année qui commence à vous présenter tous mes vœux de bonheur, de réussite, de joie. Et quel endroit meilleur choisir que cette nouvelle maison de l'environnement qui nous accueillera l'année prochaine et qui nous permettra de partager, je l'espère, des moments que nous n'avons pas pu partager en 2020. Une nouvelle année, c'est l'occasion souvent de faire un retour en arrière, un retour sur ce qu'on a vécu ou qu'on n'a pas vécu. Et force est de constater que cette année 2020 a été vraiment particulière. Cette année 2020 a aussi été, pour Morsan, une année de renouveau. Et je tiens, à remercier sincèrement, du fond du cœur, tous les agents, tous les bénévoles, tous les Morsaintois et les Morsaintoises, qui, nous ont fait confiance et qui nous accompagnent depuis le mois de juillet, dans les missions qui sont les nôtres et dans, la dynamique que nous avons lancée pour Morsan. Nous avons voulu faire de Morsan une ville plus sûre, une ville plus belle, une ville plus vivante et solidaire. Une ville plus sûre dans un contexte sanitaire dégradé, ça a été tout d'abord de faire en sorte que vous puissiez fréquenter les lieux publics en toute sécurité, avec des bornes de gel hydroalcoolique installées dans toutes les salles, dans toutes les écoles, avec un protocole sanitaire renforcé, avec des gestes barrières, avec une volonté d'assurer la sécurité au plus près de tous les Morsaintois. Mais ça a été aussi, dans ce contexte de crise sanitaire, une façon de faire en sorte que vous puissiez être rassuré vous-même sur la possibilité ou pas d'avoir contracté la maladie. Ça a été au mois d'août une campagne large de tests TROD qui ont permis de savoir si vous aviez été en contact avec la maladie. Plus de 1 000 tests ont été ainsi faits. Ça a été ensuite la mise à disposition des infirmières de la commune d'une salle pour pouvoir effectuer des tests PCR afin de pouvoir contrôler les risques de maladie des Morsaintois. Ça a été enfin, il y a peu, le 7 décembre, la venue d'un bus de la région avec l'ARS et la Croix-Rouge qui a permis de tester de nombreux Morsaintois. Et je tiens à remercier ici particulièrement les professionnels de santé qui ont été particulièrement vigilants, particulièrement réactifs et qui seront nos partenaires dans les prochaines années et en tout cas je m'y efforcerai. Une ville plus sûre, c'est également une ville dans laquelle on se sent en sécurité. Et je tiens ici à remercier à la fois les agents de surveillance de la voie publique et la police nationale, notamment le commissariat de Juvisy, qui se sont vraiment impliqués auprès des habitants dans les opérations Tranquillité Vacances cet été, mais aussi dans des opérations de nettoyage de la voie publique de ces véhicules ventouses qui polluent notre espace urbain et qui nous empêchent de stationner. Et d'ailleurs, ces agents de surveillance de la voie publique passeront au nombre de 5 dès le mois de janvier et nous serons comme ça encore plus présents, encore plus visibles à vos côtés. Une ville plus belle, je l'ai dit, c'est aussi une ville plus verte, une ville dans laquelle on a un effort particulier sur à la fois les plantations sur la commune, vous l'avez vu sur les ronds-points, vous l'avez vu, les agents des espaces verts qui travaillent sur les ronds-points, mais aussi qui replantent. Place Charles de Gaulle, par exemple, où nous avons replanté 2 arbres, avenue du Bois-Pommier, dans le square Toussaint Louverture, dans le square Pablo Picasso. Systématiquement, nous replantons des arbres et nous continuerons à les replanter. Une ville plus agréable, enfin. Une ville plus agréable, c'est une ville dans laquelle la construction est mieux pensée, dans laquelle on va pouvoir mieux circuler. Nous avons lancé, avec Cœur d'Essonne Agglomération, un plan vélo qui verra rapidement le jour et qui sera assorti et en complément avec le plan de circulation que nous allons lancer. Une ville plus agréable, naturellement, c'est aussi une ville dans laquelle les constructions sont mieux pensées, mieux imaginées. Alors, nous n'avons pas pu arrêter les constructions qui avaient été lancées, les coûts partis de nos prédécesseurs. En revanche, nous essayons de faire en sorte qu'ils s'insèrent le mieux possible dans leur environnement, comme ça a été le cas, par exemple, dans la rue Vallon, la résidence des 22-24 rue de Savigny, où nous avons repensé complètement les sens de circulation. Les voitures, plutôt que de sortir dans la rue Vallon, sortiront sur la rue de Savigny avec des feux rouges pour faire en sorte que la circulation ne soit pas complètement bloquée. Ça a été le cas aussi avec le projet de CTM, qui a été revu de façon à accueillir les services techniques de la manière la plus cohérente et la plus rationnelle. Une ville plus belle, c'est aussi, et enfin, une ville dans laquelle les arts peuvent s'exprimer. Et c'est le cas, c'est ce que nous avons fait, notamment, vous avez pu le voir, à l'école Robespierre, où nous avons eu des graffeurs de renom
qui ont eu la gentillesse de venir et de nous faire l'honneur de venir faire de magnifiques fresques sur cette école qui en avait bien besoin. Une ville plus vivante et une ville plus solidaire, enfin. Une ville plus vivante parce que malgré le contexte sanitaire, malgré les difficultés, eh bien, nous avons réussi à garder ce qui pouvait encore faire sens, un peu société, durant l'été notamment. Et je tiens ici à remercier sincèrement et du fond du cœur le service culturel qui avait imaginé la programmation des estivales que nous avons pu maintenir et le service jeunesse et temps loisirs qui ont permis à nos jeunes d'avoir des activités durant l'été. Et c'est vrai qu'après ces quelques mois de confinement, nos jeunes avaient vraiment besoin de pouvoir refaire des activités. Nous pouvons le dire, même si la situation est dégradée, nous avons su tous collectivement être au rendez-vous. Nous avons été au rendez-vous de cette première dans le parc de Château de la Nuit des Étoiles. Nous avons été au rendez-vous pour la première fois à Morsan de façon coordonnée et nous avons fait un résultat exemplaire lors du Téléthon. Nous avons fait plus de 4 400 € de recettes pour le Téléthon. Nous avons été au rendez-vous aussi dans le cadre du bus de Noël qui a permis à beaucoup d'enfants d'avoir des jouets et nombreux à participer. Et les enfants avaient des étoiles plein les yeux. Là aussi, ce n'était pas la nuit des étoiles, c'était la journée des étoiles. Nous avons été au rendez-vous aussi lors de la déambulation du cirque à moteur dans les rues de Morsan, qui a été pour beaucoup d'entre vous une véritable découverte et qui a permis, dans le respect des règles sanitaires, de pouvoir bénéficier, de pouvoir profiter d'un spectacle dont nous avons tant besoin. Mais c'est aussi la montée en puissance de Morsan Télé qui va encore prendre de l'assurance en 2021, qui nous a permis de lancer les universités morsintoises destinées aux jeunes, qui nous a permis aussi de pouvoir raconter des contes de Noël aux enfants, qui nous a permis de pouvoir relayer les challenges du Téléthon et qui nous a permis de pouvoir, dans les dernières réunions de quartier, eh bien nous rencontrer, échanger et ainsi répondre à vos préoccupations. Une ville plus solidaire, c'est aussi une ville plus proche des gens, une ville qui se soucie des autres. Dans le mot maire, il y a le mot aimer, j'aime le répéter. Et c'est ainsi que grâce aux agents, grâce aux bénévoles, grâce aux élus, dès le déclenchement du deuxième confinement, nous avons pu joindre près de 2 500 personnes, isolées ou pas, pour savoir si elles allaient bien, savoir si elles avaient besoin d'aide, savoir comment on pouvait leur venir en aide. Mais une ville solidaire, c'est aussi une ville qui est solidaire avec ses commerçants, avec ses entreprises qui ont énormément souffert et qui souffrent encore et qui vont continuer à souffrir de la crise. C'est ainsi que nous avons mis en place une plateforme numérique, que nous avons accueilli les commerçants, les restaurateurs et les traiteurs sur le marché de Morsan et que nous avons pu organiser, là encore grâce à la digitalisation, des ateliers pour accompagner les commerçants, pour les aider dans ces moments difficiles. Une ville plus solidaire, c'est aussi une ville qui va vers les plus fragiles. Et je suis très fière d'avoir été à l'initiative avec mon équipe et avec les associations de solidarité sur Morsan de la petite épicerie qui est une première dans l'histoire de Morsan puisque pour la première fois, la commune se soucie de mettre en place une épicerie sociale et solidaire pour les personnes qui en ont plus besoin. Ce que la crise nous a fait comprendre, c'est que plus que jamais, nous avons besoin de ce vivre ensemble qui fait tant défaut à cette période si compliquée. Que ce vivre ensemble, nous devons aussi le penser en tenant compte de la nature qui m'entoure aujourd'hui, de cette maison de l'environnement si symbolique, qui sera si importante pour nous dans les années à venir. Plaçons donc 2021 sous le signe du vivre ensemble et sous le signe de la nature. Vous l'aurez compris, nous avons une énorme envie de travailler pour Morsan, une énorme envie de faire beaucoup de choses pour Morsan. Et cette envie, elle va se concrétiser dès 2021 avec vous, avec nous. Elle va se concrétiser dans tous les travaux que nous allons mener dans le cadre du plan local d'urbanisme, PLU, du plan de circulation, mais aussi du diagnostic environnemental que nous avons voté. Plus symboliquement, cette envie d'environnement, cette envie de faire de l'environnement l'ADN de Morsan-sur-Orge se caractérisera par un acte symbolique, mais un acte important, qui sera de planter un arbre à chaque naissance du petit Morsintois qui portera le prénom de l'enfant, sa date de naissance et qui sera planté au plus près du domicile des parents. Plus efficacement et plus, spontanément, ce sera de relayer une initiative lancée par une Morsintoise qui s'appelle l'initiative Je marche utile,
en mettant à disposition des Morts Saintois et des Morts Saintoises qui le souhaitent, qui veulent s'investir, qui veulent s'engager pour leur quartier et pour leur environnement, des pinces, des gants, des sacs, pour pouvoir ramasser aussi, lorsqu'ils marchent, les détritus qu'ils peuvent trouver. Et nous le ferons de façon organisée, de façon à ce que ça ne soit pas seulement des actions individuelles, mais qu'on puisse se coordonner et faire tous ensemble œuvre utile. Plus visiblement, ce sera un acte très fort qui sera de relancer la rénovation complète du château. Ce château qui nous tient tant à cœur et qui aujourd'hui est en voie de délabrement avancé. Ce sera aussi lancer un projet de maraîchage bio et de légumes anciens qui sera adossé à un projet de serre bioclimatique et de ferme pédagogique pour nos enfants, pour permettre à nos enfants de mieux connaître la nature et de développer des actions environnementales. Ce sera aussi une année solidaire, je vous l'ai dit, pour de façon à structurer les actions de tous les partenaires qui œuvrent sur la commune et de pouvoir renforcer encore nos activités et nos actions à destination des plus fragiles, à destination des commerçants et des entreprises qui sont en difficulté, des actifs qui peuvent perdre leur emploi ou se retrouver dans une situation compliquée, des jeunes, des personnes handicapées, des retraités. Plus activement, ce sera aussi l'occasion de renforcer la sécurité. Je lancerai prochainement un CLSPD, qui est un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, qui nous permettra également de pouvoir envisager des dispositifs de vidéoprotection et des dispositifs de création de police municipale, qui est une forte demande de la part des Morts Saintois et des Morts Saintoises. 2021 sera donc une année utile, une année que nous aurons ensemble à écrire naturellement pour l'avenir de Morsan. Alors du fond du cœur, je vous présente en mon nom et en celui de tous les élus du conseil municipal, mais aussi de tous les agents du service public local qui sont investis à vos côtés, qui sont investis à nos côtés. Je vous souhaite d'une très belle année 2021, qu'elle nous permette enfin de nous retrouver, qu'elle nous permette enfin de la convivialité. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à très bientôt.